Yeah. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 2. Qu'est-ce qui me fait le jeu? La partie 2 de Sonic Before the Sequel. Hop. Et c'est la deuxième fois que je reprends la vidéo de cette deuxième partie parce qu'il y a eu un petit souci. Heureusement, la vidéo a duré que 2 minutes. Car en fait, quand on fait Alt Entrée, ça remet le jeu en petit et ça coupe le logiciel. C'est parfait. Parce que je voulais reset le jeu. Car le niveau qu'on va faire là, celui-là, est horrible. Fichtre. Voilà, nous sommes à l'épisode 2. Voilà, la partie 2 de ce Sonic Before the Sequel. Alors, hélas, je suis toujours équipé de mon vieux clavier HP à 5 €. Je suis pas assez riche, vous voyez. Et voilà, et pour boucler les fins de mois, souvent c'est compliqué, donc en plus acheter une manette, c'est pas possible. Même une petite manette Buffalo, qui est une copie de la Super NES, à 10 €. Oh! C'est pour ça qu'on joue ce Sonic Before the Sequel au clavier. On joue comme des pauvres. Ah mais à qui je vais faire vos messages? J'ai un PC 4K quand même. Voilà, c'était une petite blague à 2 balles. Oh! Aïe! Ah purée! Ah, purée l'anneau! Pas venir. Peut-être monter là. Il faut peut-être monter directement. La musique est calme et le niveau est horrible. Je vais peut-être passer par là. Pourquoi on monte pas? Bon. Et le problème de ce niveau, c'est qu'on peut être bloqué très facilement. À cause des vis qu'on monte. Qu'on ne peut plus. Après réactionner, enfin qu'on peut plus réutiliser. Donc si on a le malheur de redescendre, et ben c'est la catastrophe. Et ça ira vrai. Oh purée, j'ai réussi. Oh speedrunner mon gars. J'ai réussi à passer ici, purée. Alors je vous explique, je galérais tout le temps à passer ici. Et là j'ai enfin réussi. Alors ça a servi à quoi? C'est peut-être un vieux raccourci. En tout cas, j'ai déjà à moitié mal aux mains. Merci le clavier, merci le jeu qui est pas compatible aux manettes. Ah, purée. C'est vrai que ça me manquait, ça. Moi, je me souvenais que dans The After the Sequel, c'était pareil. Petite crampe aux mains. Comment ils font les gens pour jouer sans manette sur PC, des fois? Pas possible. Faut être fou. Ou pauvre. Fichtre. En fait, fallait juste revenir ici. Oh! On m'a dit que le clavier, c'est que pour les FPS de Zeus. Voilà, faut descendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller là. Non. Attendez, mais cet endroit-là, je l'ai déjà fait. Pourquoi le refaire? On va remonter. Ah, mais on peut plus passer là? Et je suis passé au travers tout à l'heure. Oh, ça va plus rien y comprendre, ce niveau de merde. Putain, j'y crois pas, faut... on reprend là. Et là, on va plus pouvoir monter, c'est ça? Ah, bah si, parce que j'ai pas encore utilisé le... ce bonus. Ça, là. Ouais, par contre, faut... plus redescendre. Je comprends rien à ce niveau, il est vraiment insupportable. Qui a modifié? Qui a fait un level design aussi paresseux? Ça se voit qu'on est sur un jeu fait par des fans qui ne connaissent pas trop la Team Sonic. Purée. Remonter là. Oui.
On a trouvé quelque chose. Ah non, en fait, c'est juste pour revenir. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Très bien. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, rien du tout, oui. 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 Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ils ont fumé un joint, c'est pas possible. Faire quoi? Ah, je suis passé partout. Il y a un bouton à actionner, il y a un truc. Pire, faut aller à droite là. Oh! Je me dis, faut peut-être sauter au-dessus là. Attendez. Il y a quelque chose. Ah, mais oui, mais ce mur! Comment finir ce niveau à deux balles? En plus, il me semble que je l'avais fini. Et là, si je descends. Il fallait descendre. Voilà, bah même, c'est mal fait. Faut faire un truc bizarre pour réussir. D'accord. Hein. Je ne suis pas convaincu. Et le temps arrête de défiler là. Le temps qu'il rajoute 2 secondes comme ça. Oh. Je sais que j'ai pas fait un temps magnifique, mais faut pas en rajouter. En tout cas, nous sommes bien dans Sonic à 30 FPS. The Game. Hop. Non, mais non, pourquoi il monte pas? Mais non, on peut plus monter. Oh là là. Non, je crois que c'est les voitures là. Ah purée. Ah purée. Ils sont horribles. Hop. Hop. Ah, les lapins, ils sont ignobles. Comment ça c'est que je suis pas au milieu? La skill parle. Oh, oh, c'était le moment skill, maintenant c'est le moment détresse. Ah, c'est bon. La skill est repartie. Yeah. Speedrun. Oh, c'est la fin du niveau. Je crois que j'allais faire un glitch. Ce niveau est très court. Et pourquoi on a perdu avant? Ce n'est pas compliqué. On a galéré à l'acte 1, mais ce n'est pas compliqué. Hop. En fait, les voitures, on les a peut-être déjà passées, je sais plus moi. Ou c'était là. Ça me dit rien ça. Bon bah en fait on les a déjà passés les voitures. La musique est sympa mais l'environnement est bof quand même. Oh. Bah tu veux qu'on ait un commun. Hop. Ah. Attention, pas d'exclamation, ça veut dire qu'on crève direct. Oh! Ouf! J'ai eu de la chance, moi. Non! On peut passer par là. Comme ça. Ah, mais ça passait, là! Putain. Putain, mais leur truc! C'est ignoble, ça! Dans le jeu de base, ça marche pas comme ça, ces machins-là. Ça... On saute de plus en plus haut quand on saute comme un trampoline dessus.
Donc plusieurs fois. Ce qui est logique. Mais là non, faut prendre de la vitesse. Ah d'accord. Aïe. Ouais bon. Ça pas servi à grand chose. Oh! Adieu les anneaux. Ah, je crois qu'on était mort ici en fait. Ah! C'est quoi ce passage horrible? Je comprends pourquoi on était mort ici. Purée. Sauf que là j'ai défait. Ah, il m'en reste que deux. Pas crier victoire tout de suite. Et on est au tout début. Pas de checkpoint. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça sent la fin du jeu quand même. Hein. Ça sent qu'il reste que deux zones après. Et que c'est la fin. Qu'il y a une pique de difficulté d'un coup comme ça. Lui, on peut pas le tuer. Apeuré. Ça passe! Aïe. Non. Petit saut. Allez. Allez. Vas-y, Sony, vas-y. Vas-y de la puissance. Aïe. Putain, ils sont ignobles. Mais comment tu veux esquiver ça? Putain, et quand t'as plus d'anneaux, t'es mort, quoi. Ah. Hop, on descend. Ah, purée, là j'ai plus rien. Oh là là, en plus, putain. Ah là, ça m'a échappé. C'est pas possible. En plus, la hitbox, elle est dégueulasse. On se fait toucher, on sait pas où. Ah purée. Compliqué ce niveau. Hop. Oula, pourquoi je suis allé aussi vite? Ah non! Oh. Faut y aller tranquille, ben. Ah, vas-y! Rien. En plus, il y a le lapin ignoble. Oh, purée, mais c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ce passage immonde? Ah d'accord, il est 10 fois plus dur que le premier épisode. Ah con. Ouais, que le deuxième plutôt. Ouais, à chaque fois, je me plante là. Ouais, c'est un niveau en gros où on doit tout le temps décélérer. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce design? Ah, ce level design qui n'a aucun sens. Mais merci. Ah, le jeu là il perd au niveau notation. Voilà, c'est sûr, il est moins bon que le deuxième. Ah purée. Wow. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce level design? Revenez. Hop. Ça n'a aucun sens, t'es obligé de connaître par cœur, quoi. Ouais, bon là ça sert à rien. Ah, enfin un checkpoint! Ah, ça existe ces checkpoints dans le jeu? Bah dis donc. Ah voilà, t'es obligé d'avoir ça. Voilà. Ah, faut en profiter. Yep. J'y vais, j'y go. Je m'en fiche des bonus. Là, faut y aller, on a l'invincibilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça se répète inlassablement? Ah, purée! Là, je vais plus être invincible.
La musique y continue alors que c'est fini. Putain, la hitbox elle est compliquée. Purée. Ça se termine quand ce niveau? Oulala. Ah là là. Vite un anneau. Descends. Purée, saloperie. Bah là on prie pour pas mourir quoi. Oh. Un bonus. On peut pas y aller. Sonic veut plus aller à gauche. Oh de Dieu. J'espère que le boss est pas dur. Ah d'accord. Ah faut monter. Hop. Oh. Purée. Voilà là. Ah purée. Et purée. Ah il a pas l'air dur mais je galère. Allez, des anneaux, ah purée. Des anneaux, s'il vous plaît. Merci. Ah purée, j'ai cru que ça allait passer, là. Bon, à chaque fois que je crois que ça passe pas. Mais, pas possible, c'est quoi cette hitbox? Attention. Hop. Mais purée, mais c'est quoi cette inertie, là? Ouf. Bon, je vais prendre les anneaux. Voilà. Attention. Attention, attention. Ah, je l'ai, voilà. Ah! Mais on retombe sur ça. Ok, en gros, faut toujours avoir des anneaux quand on est au-dessus. Sinon, on est mort. Hop. Off. Ou alors, faut aller à donf à droite et ça passe. Des fois. Là, on a eu de la chance. Ouais. Bon, le boss, il a pas l'air très dur. Hein. Hop. C'est juste l'inertie de Sonic qui est pénible. Ah oh, purée. Yes. Bon là il va mourir. Allez tire purée, il tire jamais. Oui. Attention, on est bien parti là. Descends. Ah purée. Voilà. Oh, il est encore pas mort. Purée. Sac à HP. Ouf. Wow, il est plus vénère là. Il balance plus le boule de feu. Attention. Ouais, bon, un peu pourri quand même. Bof bof le boss. Hein. Ah, autour le challenge. Ouais, on est censé faire quoi? Metro Madness. Faire ça peut-être? Non. Bon, faut aller ailleurs. Bon,
tout cas, la tronche du niveau ne me dit rien qui vaille. Hein. J'aime pas trop. Trop gris. Trop robotique. Bon, ça sent la fin, vous direz. Faut aller là, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah oui, mais faut faire quoi? Y'a rien, les gars. Bon, y'a rien au-dessus. Il s'y pousse jamais. Ah. D'accord, ce niveau est très bizarre quand même. What? Et là maintenant ça s'est ouvert. Ah d'accord. Mais très bien. C'est fichtrement intriguant. D'accord, donc ça s'ouvre au bout d'une minute. Pas compris. Encore s'il y avait un gros interrupteur là, genre comme là. Je peux comprendre mais... Ah d'accord, faut que ça tire sur le machin. Là, c'était logique. Et le début, j'ai pas compris. Oh! Oh non, pas ces ennemis-là, purée. Venant de Sonic 2, ils sont ignobles. Enfin, il me semble qu'ils sont dans le 1 aussi. Donc, c'est pas sûr. Non, c'est que dans le 2, peut-être. Mais ils sont ignobles. Ils font des boomerangs avec... leur pince, une espèce de crabe là, non, montre religieuse plutôt. On va plutôt monter, c'est toujours mieux d'aller en haut. Ok, faut qu'il tire en haut. Hop. Bon, l'idée elle est un peu vite faite quand même. Donc ils vont trouver mieux après. Oh! Ça nous touche ces trucs là. D'accord. Faire attention. C'est vrai que j'ai plus que 0 vie, faut que je fasse gaffe. Sachant qu'on récupère jamais de vie là. Et go, hop, purée. Ouais. Pas terrible. On sent que l'idée est un peu partie là. After the sequel, même la fin était bien. Bon, pas les boss par contre, ils étaient bien pourris à la fin. À part le boss final qui était plutôt pas mal, mais. Sinon les boss purés. Oulala. Ça, je m'en souviens. Enfin, je me souviens qu'ils étaient médiocres. Oh! Ouais, leur pattern. Il y avait peut-être un Metal Sonic, je crois, à un moment. C'était pas terrible. Il semble. Mais les niveaux, par contre, ils étaient bien. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, on tire sur un interrupteur, c'est génial. Où est l'innovation? Je ne la trouve pas. Ouh là là. Ouais, et puis la musique, là, elle est pas folle. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces trucs des fois? Ah, je puisse pas. Le truc des fois, il s'ouvre tout seul, c'est ça? Ah, c'est faut que tu aies l'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça s'ouvre tout à l'heure? Et là ça bouge. Ah, faut qu'ils volent au-dessus. Mais c'est complètement perché leur truc. Comment on peut trouver à part purement par hasard?
Voilà. C'est pour ça qu'ils avaient mis un logo avec Tails qui volait. Bon. Bah quand même. Faut trouver leur truc. J'ai eu énormément de chance surtout. C'est bon. Voilà, j'ai plus envie de me faire chier. Oh putain, il se peut voler. C'est bien. Faut bien utiliser son pouvoir. Oh. Allez, go. Putain, le jeu est pas flippant par contre. Hein. Je sais pas pourquoi, avant ça passait mieux. Ah, ça c'est marrant par contre, les plateformes comme ça. Autant. Le premier niveau était un peu naze, et là, il y a de l'idée pour ça. Et par contre, pourquoi ça se relève plus? C'est qu'il faut reculer, et comme ça, ils se mettent comme ça. Une fille! Boum. Une belle vie. Ils sont plus simples que dans le jeu de base. Ils balancent moins vite leur truc. Mais oui, c'est dans... C'est bien dans Sonic 2. Ces ennemis-là. Hop. Hop. Ah d'accord, c'est la fin. En 3 actes dans un environnement, ils ont un peu abusé quand même. C'est un peu trop. Deux, c'était le juste milieu. Pourquoi ils n'ont pas choisi le Sonic 2? La logique de Sonic 2. Oula. Quoique là, ça a l'air pas mal. La musique est intrigante. Ça fait très Metropolis. Et ça fait très... Ça fait très rap aussi. Le maître Gif, c'est bon. Purée. Musique de soirée. C'est parti chez le DJ. Je suis Tipa. Allez, c'est parti. Yeah, 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 yeah. Ibiza. Allez, les gars, c'est parti. Oh. Et c'est quand qu'il y a des anneaux? Il y en a plus. C'est la déchéance des anneaux. Oh purée. C'était la grève des anneaux, mais les anneaux sont de retour. Les gilets jaunes n'ont pas perverti. Et n'ont pas bloqué les anneaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils sautent pas direct dessus? Voilà. Pourquoi il tombe pas direct dessus en avançant? C'est ça que je veux dire. Purée, mais non! Et oui, maintenant les gilets jaunes. Et bien ils bloquent la circulation des anneaux, et du coup bah, Sonic et Tails, ils en trouvent de moins en moins. C'est compliqué. Et oui, Jamy, savais-tu que les anneaux, en fait, ils ont un train de vie quotidien. Ils doivent prendre des tramways. On sait pas trop comment, mais bon, c'est l'univers de Sonic, ça a pas de cohérence, voilà. Donc on peut faire ce qu'on veut sur l'univers de Sonic. Et arrêtez de dire n'importe quoi avec les timelines Zelda, merci.
fichtre. J'ai plus rien à dire, donc je pars en live. Yeah. Moi comprendre. Ah. On peut faire ça. Et après... ça me fait peur. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah, yeah, yeah. Zone bonus. On va gagner une vie. Et ça, c'est beau. Les rings qui bug toujours avec 999, tout est bon. Spécial stage, qui est en 5 FPS. Nous sommes sur un ordi ayant un processeur i5 3330p et une GTX 980. Et ça, RAM en 2 FPS. Il faut peut-être le mettre sur le PC 4K, ça passera peut-être mieux. Purée. Et oui, pour ce Sonic, les enfants, il faut avoir une configuration musclée. Sinon, à vous les 5 FPS. Bon, j'arrête, c'est juste le scrolling qui bug un peu. Ne soyons pas de mauvaise langue. Ah non! Non! Il me restait 5 anneaux pour avoir une deuxième vie. J'y crois pas. Oh, c'est original ça. Ah, c'est le boss. Que fait-il? Yeah, yeah, yeah. Je sais pas où faut le toucher. En tout cas, il y a des anneaux. Je piche pas. Oh! Je suis tombé! Après. Ok. 2, 3. Oh, faut le toucher là! Ah, j'ai comblé. Yeah, yeah. J'ai comblé. Faut qu'il repasse en haut. Bon, par contre, pourquoi il attaque pas? Oh purée, bah il attaque. Il est marrant ce boss. Yeah, 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 yeah. Yeah, mon gars, la skill. La skill de Maître Games. Oh. Oh. Il est pas très dur. Mais au moins il est original. Ah purée, c'est ce qui manquait à ce jeu. De l'originalité. Hop. Ah purée. Hop. Ah bah d'accord, il est mort. Ah bah non, il est toujours vivant. Oh, mais pourtant ça fait une explosion de la mort. Comme si c'était la fin de son règne robotique. La fin de son microprocesseur. Oh, oh c'est ce qu'il y a. Purée, mais... Voilà. Là on attend. Et hop. Ah, il est toujours pas mort. On a l'impression que c'était moins violent là. Ça veut peut-être dire qu'il a deuxième phase là. Ah, toujours pas mort. Il est costaud. Ah bah blindage en titane. Attention, ça rigole pas. Ouf. Il est mort. Et ça fait... Je rêve où ça fait le bruitage quand on passe un panneau quand même. Alors maintenant quand on tue les boss, ça fait le bruitage des panneaux. C'est très logique. Même s'il n'y en a pas. Oh non, niveau aquatique. Non.
pas le niveau aquatique. Il fallait forcément passer par le niveau aquatique. Personne n'aime les niveaux aquatiques. Surtout dans Sonic. Oh purée. On les voit à peine les trucs. Oh, j'ai eu de la chance. Yeah. En vrai, je me moque un peu de la bande-son, mais elle est pas mal quand même. Bon, ça fait pas tellement Sonic, je dirais. Oh! Ça, c'est marrant, ça a pas percé la bulle. Ah, ça fait pas tellement Sonic, mais bon. C'est quand même sympa. C'est différent. Ça fait Metro Games. Yeah. Come on. Où ça fait des fois le petit DJ du coin qui est passé sur la France en incroyable talent. Enfin, les Belges ont un incroyable talent plutôt, mais enfin, sympa. Aïe! Enfin, bref, quelque chose un incroyable talent. Et c'est devenu hyper connu dans les YouTube Poop. Ça passe nickel. Ah, j'aime bien ce niveau. Il se passe quelque chose là. Là c'est parce que j'étais assez dur avec le jeu tout à l'heure. En disant qu'il était pas original. Là, il s'est réveillé, il s'est dit. T'as encore rien vu, pépère. Bon, c'est un peu plus classique là. Mais le coup de. Des hélices qui nous poussent vers les pics, c'est pas mal. Je note. Bon, on va à droite. Hein. Toujours le meilleur passage à droite. À gauche, des fois des bonus. Mais surtout des malus. Ah, la fin. C'était plutôt tranquille pour un niveau aquatique, hein. Vu qu'on avait tout le temps une bulle. Qui se pétait pas. Étonnant. Bah tiens, bah on a encore une bulle. Du coup, on peut faire un double saut. Mais le truc, c'est que. Ça veut dire que les joueurs qu'on fait ce Sonic, ils ont trop peur de la musique dans des 5 secondes quand on n'a plus d'air. Voilà, c'est ça. Ils sont traumatisés par ce thème. Et du coup, ils ont fait un niveau aquatique avec Sonic qui respire sous l'eau. Et là, c'est génial, j'ai plus d'anneau. Ça passe. Ah, le retour des hélices. Ah bah non. Ah si. Yeah. Oh purée, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut être rapide. Yeah. Alors, on était plus dans du Maître Gims là tout à l'heure, dans le monde d'avant, la zone d'avant. Qui était pas si mal que ça quand même comme zone. Hein. Bon, j'étais un peu lu. Ça passe. Mieux que la zone d'avant quand même. Hein. La zone labyrinthique là. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas l'idée. On va faire une zone labyrinthique qui n'a aucun sens. C'est très bien. Oh! Purée. Quoique ce passage-là, il me fait penser à du Sonic Advance 3 un petit peu. Ah.
Petite one-up. Oui. Yeah. Ah bah. Aïe. Pistre. Je comprends pourquoi il y avait une one-up. Ah purée, ça nous met encore au tout début, mais c'est pas... Par contre, les checkpoints, il n'y en a jamais, hein. Autant... J'avoue que dans les Sonic de base, ils en abusent un petit peu trop, mais dans les Sonic fan game, les checkpoints, où sont-ils? La disparition des checkpoints. Les checkpoints font la grève. Que se passe-t-il? Ah bah, il va faut dire qu'ils sont pas aussi bien rémunérés que... Quand c'était la Sonic Team qui s'occupait des Sonic. Eux, ils avaient de l'argent, là, les fans, bah, ils ont rien. Du coup, bah, voilà, les checkpoints, ils font la grève. Ah, c'est ça. Oulala. 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 Comment t'esquives ça? C'est chaud, quand même. À moins de connaître. Oh bah, pff. D'accord, on a loupé une zone, on a allé à un autre passage quoi là, faut croire, tant mieux, les passages en haut toujours les plus simples. Ah, on retrouve du Sonic After the Sequel, du sable, de l'eau, c'est parfait, sauf que là on a une bubule, du coup on respire. Alors que dans After the Sequel, ben voilà, After the Sequel, les fans, ils ont dépassé leur peur. Ils ont fait une suite avec le fameux décompte 5, 4, 3, 2, 1 dans l'eau. Nom de Zeus, c'est incroyable. Ils ont eu l'audace. Et en plus, je me souviens, les bulles mettaient 4 ans à venir. Contrairement à chaque Sonic, et je dis bien chaque Sonic dans chaque Sonic 2D officiel. Alors bon, je ne certifie pas ce Sonic Color sur DS parce que je l'ai pas fait. D'ailleurs, c'est l'un des Sonic qu'il faut que je le fasse. Peut-être le fait en let's play, tiens. Vu que l'émulation sur DS commence à bien marcher quand même. Faudrait l'essayer. Bon, le faire sur le PC 4K. Parce que... Faut avoir un processeur de la mort pour supporter la DS. Ce qui est pas très logique, mais bon. Sachant que mon nouveau PC... Enfin, nouveau PC qui a un an maintenant... est équipé d'un processeur i7-7700K, je pense qu'on est tranquille. Ah purée. Ah purée, on tombe tout le temps. Cadencé à 4 GHz. S'il vous plaît. Voilà. Je dis des chiffres, c'est beau. Ah purée. Purée. Ça tombe. Et 4,2 en overclocké, mais j'ai jamais fait. Et j'ose pas overclocker. Bon, à quoi ça sert quand on a autant de gigahertz de base? Ah, purée. Il passe pas. Vas-y. Vas-y, Jean-Pierre, mets la seconde. Ah, purée, il a calé. Ah, frère. Bon. Voilà, comme ça, c'est mieux. C'était une énigme. Une énigme dans un Sonic. Ah purée. Alors on peut pas rebondir dessus. Ah, c'est reparti en maître Gims un peu là, le rythme. Yeah, yeah. Faire quoi là? Ah, faut sauter direct là. Oh, mais c'est pas facile leur truc hein. Vas-y, prends de la vitesse, prends de l'allure.
On y va de l'autre côté. Hop. Eh, c'est pas mal ce passage. Et là, on peut monter. Ah, là, c'est ça. Ah, y a des idées, là. Ah, le level design. J'ai rien dit. Là, y a des trucs. Autant pour moi, c'est juste qu'on est passé sur deux zones qui étaient un peu médiocres. Ah, la zone avec Tails, elle était pas folle. Hein. Ça passait quand même. Bon, ça se faisait, voilà. Mais la zone avec Sonic juste avant, labyrinthique, là, qu'est-ce que c'est que ça aussi? Catastrophe. Et là, le jeu se rattrape. Ça va très vite. Je pense qu'on est à la fin du niveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut attendre que ça soit rempli, le machin. En même temps, faut esquiver les coups du poisson. Ah bah c'est ça. Ah non, là... J'ai du mal, mais... Le level design est beaucoup plus riche. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dans les fondamentaux de la série. Un bon level design. La série After the Seca. Before, After, tout ça. Et en fait, j'ai vu quelque part, je sais plus où, sur YouTube je crois, que Before the Sequel se passe entre Sonic 1 et Sonic 2. Alors qu'After the Sequel c'était entre Sonic 2 et Sonic 3 il me semble. Je suis pas sûr, je crois que c'était ça. Bon après, est-ce que ça a vraiment une importance? Parce qu'il y a, bon, pas trop de lien avec ces jeux-là. Oula, il tire vite lui, faut faire attention. Voilà, c'est la fin, je pense. Quand même. C'est quasi la fin là. Oula, là, j'aime pas cette chute. Oui. Reviens, reviens. Oui. Yes, on va gagner des vies. Et si on doit en gagner deux. Bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien. On n'a pas eu de fail. La partie normalement devrait se terminer là. Mais... Purée. Ça y est, nous avons le thème de Sonic Heroes. À la poursuite de le monde du chaos. Ils sont pas mal les stages bonus, ça n'empêche. Il y a des bons petits trucs comme ça. Un bon petit level design. Alors c'est qu'un level, alors que c'est qu'un niveau bonus, hein. Ils auraient pu en faire juste un seul. Ils ont fait plusieurs pour attraper des anneaux. C'est un peu que comme ça qu'on peut avoir des vies dans le jeu. Oula, comment ça se fait qu'il va aussi vite, la Sonic? Il a une inertie bizarre, là. Ne me dites pas que c'est déjà fini. Ah, il y a quand même quelque chose. Yes! Ils sont sympas, à la fin. Les anneaux en voiture, en voilà. En veux-tu, en voilà plutôt. En voiture, en voilà, oui. Ça sent la fin que je vais avoir 195 et... Non, c'est la fin. Comme avant. Ah, c'est bon. Deuxième vie. Ah, ils en donnent vachement beaucoup là. Il y en a encore. C'est parfait. Ah, c'est la fin. Deux vies quand même. Voilà, the boss. Oulala. Il a l'air stylé ce boss. Combat contre un sous-marin géant. Enfin, un sous-marin. Ah d'accord, il faut toucher les bombes.
Ah oh, purée. Bon, ça laisse des tracés après. Ah voilà, mais que certaines bombes. Purée. Et où sont les anneaux? Y'a pas d'anneaux. Voilà quoi. Ah, y'a pas d'anneaux. Non, y'a pas d'anneaux. Y'a pas d'anneaux. Ah d'accord. C'est comme ça. Y'a plus d'anneaux après. Alors, c'est quand qu'il redescend, là? Ah bah. Il redescend au pire endroit. Ok. Et ces trucs-là, faut les avoir deux fois? Bah non. Ils deviennent bleus, mais ils servent à rien, quoi. Ah, purée. On sait pas où ils tombent, par contre. Ah! Non. Ah purée. Oh l'anneau. C'est le stress ce boss. Ah. L'anneau. Ah purée l'anneau. Non. Oui. Oh. Non. Pas possible. C'est un gag. Voilà. Hop, il va exploser lui. Après, il balance que des gros et les gros, on peut rien en faire. Ah voilà. Oh purée, le petit, impossible à voir. Ah, c'est un peu la loterie quand même. Hein. Comment ils arrivent? On doit avoir une petite indication normalement. Pas très logique ça. Oh oui. Non. Ah ça touche là. Bah mon dieu. Ah c'est pas généreux. Ah oui vite. Ah purée. Oh yes. Oh là plus qu'un coup je pense. C'est abusé. Oh oui, non, le dernier coup il était là. Et pourquoi l'anneau il va à 2 à l'heure? Ouf, j'ai de la chance. Yes, c'était bel et bien le dernier coup. Est-ce qu'on continue? Non, ce n'est pas raisonnable. Oh, pourquoi il faut une musique de Sonic Rush? Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas non plus et ça l'ennuie. Sur ce, c'est la fin de cette deuxième partie. Je pense que ça va être comme Sonic After the Sequel, on va faire 103 parties. Parce que je pense qu'on n'est pas loin de la fin là. Ah, je le sens. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.